ganho FM mino doto webi wenu radio eno kununu mewe radio super radio chigan ena chenu mi spécialité roman et théâtre. Vous êtes d'accord? Non, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Alors, il est aussi chef du département des arts, un département qui forme désormais les artistes plasticiens, les comédiens, les experts et conseillers culturels. N'est-ce pas? Merci de venir échanger avec nous autour d'Errance, chenille de mon cœur. Moi-même, c'est Robert Asdé. Alors, chenille, Errance, chenille de mon cœur, roman de qui? René? Oui, merci Robert. Bonsoir à tous et bienvenue. L'écrivain que nous avons le plaisir de recevoir ce soir n'est plus à présenter compte tenu de ses descentes dans les collèges et de sa rencontre avec les élèves. Nous allons quand même essayer de dire brièvement de qui il s'agit. Daté Atavito Barnabé Akai. Il est un Béninois né au Togo. Il est professeur de français et enseigne dans les lycées et collèges de Cotonou. Depuis 2010, il s'est aussi consacré à l'écriture et est un véritable touche-à-tout compte tenu des différents genres dans lesquels il s'est essayé. Il a publié plus d'une quinzaine d'ouvrages déjà, les uns aussi percutants que les autres. Dans le genre théâtral, nous avons Amour en effraction en 2014 en poésie, nous avons comme la Rosée, aux éditions Plume Soleil, édité en 2011. Tristesse, ma maîtresse, en 2011, toujours aux éditions Plume Soleil. Solitude, mon ex, qui a été publié en 2012 aux éditions Plume Soleil. Quelle heure où j'ai passé la nuit, en 2014, aux éditions Plume Soleil. En solitude, en 2013, aux éditions Plume Soleil. Cet essai a écrit Lire un poète béninois en 2011 aux éditions Plume Soleil. Entretien avec des écrivains, qui est un mélange, édité en 2013 aux éditions Plume Soleil. Plusieurs manuels scolaires de français qui sont des collectifs et était sous la direction de l'inspecteur Apollinaire Agbazaou. Comme nouvelle, nous avons La Terre d'ici, édité aux éditions Ruisseau d'Afrique en 2011. Et même édité aux éditions Plume Soleil en 2014. Et c'est autour de cette œuvre que nous allons discuter ce soir. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez faire un bond, s'il vous plaît?
Merci. Alors, Erin Chéri, Pierre Médéroyon, c'est vous qui allez nous dire ce que vous avez et les émotions, les sentiments que vous avez eus en parcourant ces pages de Daké, Atavito, Banabé, Akai. Merci de lui faire un pan, s'il vous plaît. De bien vouloir excuser le peu de force de ma voix. Je vais sacrifier à la tradition en vous souhaitant bonne fête de la Saint-Valentin. Merci. À vous de même, patron. Ou maintenant ou dans le futur. Merci. Bien. Alors, cela étant, nous allons commencer une petite causerie autour du livre, autour du premier roman, n'est-ce pas, j'imagine, de Daké, Banabé, Akai. Et comme Azé vous l'a dit, le titre du livre c'est « Errance, chenille de mon cœur ». C'est un livre qui vient de sortir fraîchement de chez l'éditeur. Le dépôt légal a été fait au quatrième trimestre 2014 et l'imprimerie a fait son travail en janvier 2015. Tout ça est marqué dessus. Hein? Ça veut dire que le livre a moins d'un mois d'existence, ou à peine un mois d'existence, n'est-ce pas? C'est encore tout frais. Donc nous sommes les premiers à le découvrir et à en goûter. Bien sûr, la saveur et la richesse. On dit apprenant maintenant, hein, de nos lycées et collèges, plus quelques étudiants et quelques grandes personnes de tous les milieux. Les écrivains, n'est-ce pas, comme Kwao Zoti, les professeurs d'université, n'est-ce pas, comme Tassou Okri Pascal, et ainsi de suite. Alors, je vais adapter mon discours au niveau du plus grand nombre, donc au niveau des jeunes. Et ce que j'avais préparé, je vais l'adoucir pour que les plus jeunes puissent comprendre ce que je dis. Alors, donc j'ai commencé par ce qu'on appelle les péritextes, c'est-à-dire ce qui entoure le texte même de l'œuvre. Et il y a d'abord la page de l'intérieur, c'est marqué roman. Alors, c'est un jeu entre l'éditeur et l'auteur. Hein. C'est marqué roman. Le mot roman m'intéresse ici, parce que ce mot-là, nous allons y réfléchir, comme on a commencé tout à l'heure. Il y a une note préventive de Okri Pascal Tassou qui est là lui-même, qui est professeur de littérature française au département de lettres modernes. C'est mon chef, hein. C'est mon chef actuellement. Puisque je suis à la fois au département des arts, au département de l'art moderne, c'est mon chef. Où est-ce qu'il a cassé dans ce là? Oui. Voilà, donc c'est mon chef qui est là-bas, assis là. C'est un jeune chef. Voilà. Ensuite, il y a les citations empruntées à trois auteurs, dont deux sont célèbres. Il y a une citation de Charles Baudelaire. Il dit, aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. Quand on connaît Baudelaire, est-ce que je dis par là que les femmes les plus faciles, les plus animales sont des idiotes? Ensuite, nous avons une citation empruntée à la Burkinabé, Sophie Eidika, qui est un poème. Poème. Et sur mes lèvres, traîne le pouce qui tombe d'un poème inachevé. Je tricote ma soeur pour garder dans les rangs de mes pas. Son flamboiement dit la profondeur de l'abîme. Chaos, c'est le chaos. Mots, paroles, poésie. Chaos et solitude. De Sophie Eidi Kam. La dernière citation est empruntée à Nelson Mandela, d'un des derniers livres qu'on a publié sur lui, Conversation avec moi-même. Et c'est plein de sagesse. Je vous la lis. Il est possible que dans un premier temps, tu aies du mal à identifier les éléments négatifs de ta vie.
mais tu seras récompensé si tu en fais l'effort régulier. Ce conseil a adressé à sa femme, son ex-femme, Winnie Mandela. Elle continue, n'oublie pas que saint est un pécheur qui cherche à s'améliorer. Voilà. Donc nous tous, nous sommes des pécheurs, imagine. Hein? Et nous cherchons à nous améliorer pour devenir saints comme Nelson Mandela. Ensuite, la dédicace. C'est à trois personnes. D'abord, Marion Kapo qui est absent. Le roman. Pourquoi le roman, n'est-ce pas? Et à Mamie, entre parenthèses, qui jusque-là le mérite. J'imagine que c'est son cœur, hein, qui est assise là. Son cœur qui est assise là. Il peut dire ça en français? Oui, bon, d'accord. C'est la voilà. C'est son épouse, n'est-ce pas? J'imagine. Qui est assise là, n'est-ce pas? Voilà, couloir de nous. Quelqu'un de sévère, hein, de méchant dans le livre qui arrive. Et puis à KB, qu'il n'arrive pas à identifier, bien sûr. Celle qui change de sexe et de cheval, c'est toi le génie. À une fréquence donnée, nous sommes ce que nous pensons, rêvons et imaginons. Alors maintenant que nous avons regardé tout cela qui entoure. Donne le coup de courage. Il fait le même geste. D'ailleurs, voilà. Mon père, il enlève du blé. Il est content mon ensemble de sous-vêtements qui entoure ma boule. J'ouvre le bouton de son pantalon. Il a fait un petit. Il se dit, il tombe amoureux de son corps. Nous sommes caressés tout le corps. Chaque angle de nos désirs a été soumis. Il évolue. Il ouvre délicatement au sujet d'or. Et pourtant, il le sait. Il est tous les patrons qui sont fatigués. Bien que je les aime partout, il le sait. Ils sont nos points les plus faibles. Le cœur de mon corps, avec Fury, crache pour l'océan de mon village, de mon terre, quand tout en me pétant comme un petit garçon, il porte sa main au niveau de mon sexe. Je le donne dans la vie. Pas prendre lecteur. Les micros du récit postés comme par hasard sont en fait des carrefours de discours, des banalités du quotidien pour eux, polémiques, des chants littéraires qui participent tous à une symphonie esthétique que seule ta perspicacité vaincra. Cahier, journal, récit, journal intime, compte rendu, pamphlet, faits divers, sorties, poésie, RH de mon cœur. Conjugue le réel fiction qui s'enchevêtre érotiquement dans la transgénéricité par le touchement des instances narratrices cristallisées esthétiquement en Samiat, caméra sociale qui livre les clichés de notre monde d'aujourd'hui. Lecteur, je n'ai pas la préface. Elle conditionne souvent la réception. Va par toi-même dans ce texte. Tu verras peut-être que le cas à ta victoire mérite une endoscopie plus opiniâtre. Pascal Le Cri, professeur de la littérature française. On peut l'ovationner, s'il vous plaît. Oui, venez vers nous ici. Faire l'ovationner, c'est le Seigneur hein, qui enseigne la littérature aux étudiants de l'université. Alors, vous allez nous dire. Poussez un peu vers ce siphon-là. Voilà, d'accord, ok, merci. Alors, vous avez lu l'ouvrage et vous avez pu écrire quelque chose qui a condensé. Moi, personnellement, quand j'ai lu et quand j'ai fini donc, de parcourir les pages, je ne vais pas dire d'ATN ou érotico d'ATN, j'étais très content de condenser ce que vous avez écrit. Alors, votre impression à chaud aux élèves qui sont en face de nous. Merci. Bonjour chers amis, bonjour chers amis dans le champ de l'écriture, je veux dire quoi aux outils qui est là. Je n'en ai pas vu d'autres, mais je sais qu'il y en a de très jeunes qui vont pousser aussi dans la foule. Bonjour professeur Médé Voyant qui m'avait appris à poser le stylo.
C'est bien. Bonjour. C'est beaucoup d'émotions quand on parcourt ce récit piège, ce livre sans identité, mais ce livre universel aussi, où est toute la sueur que mon professeur a eue à identifier le roman qui se veut chronique, qui se refuse sautille, qui réclame un journal, qui dit qu'il est récit. Ça fait qu'à la fin, qu'est-ce qu'il faut en dire? J'ai l'embreuse immolée. Décide d'immoler cette tradition et veut que plutôt ce soit lui l'écrivain qui impose au professeur d'université la manière de lire son texte. Voilà pourquoi ce livre, papa, et en même temps livre universel, nous crée des problèmes parce que nous ne savons pas par où le prendre et nous ne savons pas où le déposer. Mais c'est ça, je crois, aussi le mystère de l'art. C'est ça le chatoyant. Et puis voilà, merci donc pour cet autre accouchement que tu fais. J'espère que tu arrêteras d'accoucher un jour. Merci et que le public court vers, puisque c'est tout teinté de sexe, comme à ses habitudes. Et on sait que le public d'aujourd'hui est très 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 torride. Voilà, j'en ai fini. Merci. Et je rappelle que vous êtes professeur de la littérature française. Que vous avez évoqué tout à l'heure. Les autres sont des travaux critiques destinés essentiellement aux étudiants et puis à un public un peu de chercheurs. Voilà. Ok, grâce à l'Institut français, nous allons vous inviter bientôt pour partager et vos écrits avec nous. Merci. Alors, cher public, nous allons nous retourner vers vous. Tati est là et vous allez poser toutes sortes de questions. Merci. Abby? Viens me dire un mot, une belle mélodie s'il te plaît. Elle te défend, c'est ça? D'accord. Bon d'accord, viens me dire quelque chose. C'est pas la mélodie. Alors est-ce qu'on peut applaudir Habib Dakogan? C'est un écrivain, un chanteur, compositeur. Il nous a réuni la science passée et autour de PV Salsis. Le professeur. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai eu les mêmes ressentis, peut-être que je n'ai pas eu les mêmes les outils pour apprécier le livre au même degré que le professeur, mais j'ai eu les mêmes ressentis. D'abord, c'est un livre rouge. J'ai un problème avec les livres rouges parce qu'ils sont dangereux. Le premier livre rouge dangereux, c'est le livre rouge de Mao, qui a été à la base de au moins 90 millions de morts. Donc, je ne savais pas comment prendre ce livre. Et le titre, déjà, est atypique comme son auteur. Quand j'ai connu Daté, au commencement il y avait la barbe et puis après il y a eu le théâtre et après le théâtre il y a eu les poésies, après les poésies il y a eu la critique aussi. Et puis un jour j'ai dit, comme il est un homme de performance, j'appelle ça une performance simplement. C'est pas un roman, c'est une performance. C'est-à-dire, il s'est fixé des objectifs, comment mixer l'écriture émotionnelle et informative. Je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire et qu'on va apprécier. Donc, j'avais dit qu'un jour, il dirait qu'il allait écrire un roman. Et ça n'a pas raté. Bon, maintenant, cette fille qui parle un langage presque bébête, et tout le long du livre, tout à l'heure, il va me dire quelle est la place de cette fille parmi les élèves qu'il a rencontrés. Voilà. Et puis, autre chose, quand je prends la page, je pose un... Je pense qu'il va répondre. Et je pense à la page 24, il parlait d'un président. Voilà, Joseph parle beaucoup et prend trop vite de décisions qu'il ne met jamais en exécution. Il ressemble à un président dont l'évocation du nom porte malheur au champ de coton. Comme on le dit, il est impulsif, maniaco-dépressif et aussi peureux que tous ses autres frères. Alors, Daté, deuxième question, c'est qui ce président-là?
réelle qu'ils connaîtront peut-être pas. Ça, c'est encore un autre, ça, c'est une autre ombre qui cache ce livre. Et enfin, un public qui n'a pas un certain niveau de lecture va lire le livre de façon tronquée. Donc, c'est un livre suffisamment complexe et très facile à lire au même moment, même si il faut revenir de temps en temps derrière pour suivre le fil de toute cette masse d'informations. Donc, je dirais, bon, on va adapter, mais qu'il n'oublie pas de répondre à mes questions. Oui, merci, Habib. Alors, René, nous allons donner la parole au public. Et merci encore. Mais j'ai trois questions. Romain. Trois questions. La première question, j'aimerais savoir. Est-ce qu'il y aura de charges et de courage, c'est le titre. Je ne fais pas cette comparaison tant au niveau du contenu, mais au niveau du style débridé que j'ai remarqué dans le roman. Et je pense que lui-même, il était conscient de ce qu'il écrivait, parce qu'à la base, dans ce roman, il écrit, je tiens à dire de ne pas faire attention aux fautes orthophoniques, spatio-temporelles, chronologiques, car j'en ai fait de très graves, de très mortelles. Ce que je fais, parfois j'écris, parfois j'enregistre directement sur ma carte mémoire à l'aide de mon GSM. Mais en lisant le livre, quel moment est un genre facile? C'est pourquoi il n'y est pas venu très tôt. Il a commencé par la poésie. Il y a beaucoup de gens, lui, ils m'ont l'air, mais je n'ai rien compris. Rien. Tout est relatif. Mais ça là, j'ai eu des passions. Cela même qu'il n'est pas terminé. Est-ce que c'est parce qu'il a vu que le roman est un genre facile qu'il a voulu faire un peu de gymnastique dedans pour embrouiller le lecteur? Je ne sais pas. À notre président, est-ce que vous parlez d'un nom qu'on évoque dans le champ des protons? Est-ce que vous ne craignez pas pour votre sécurité? Merci. Et la présentation qu'a fait le professeur, il y a une partie qui m'a attirée et je voudrais poser des questions à l'auteur même. Dans les pages de l'ouvrage, ils ont parlé de, c'est surtout à propos de l'écriture. Là, ils ont fait apparaître les manières dont nous jeunes, aujourd'hui, nous écrivons les messages électroniques. Je voudrais leur demander pourquoi ils ont fait apparaître cette manière d'écriture. Est-ce pour faire la satire ou bien qu'est-ce qui les a amenés à faire apparaître ce genre d'écriture dans leur ouvrage? Merci. Comme la culture. Je continue avec la question de l'étudiante. Parce qu'en réalité, quand le professeur, excusez-moi, parce que je voudrais surtout m'adresser au professeur, mais le voyons, parce que dans sa présentation tout à l'heure, il a essayé de classer l'œuvre dans la littérature de jeunesse. Et puis j'ai essayé de comprendre un peu, parce que je me suis dit, l'une des caractéristiques de cette littérature, il y a l'âge des personnages. C'est peut-être ça qui l'a poussé à dire que ce roman, enfin, si on l'accepte comme tel, on peut le classer dans la littérature de jeunesse. Mais il y a d'autres caractéristiques qui me gênent, moi. Surtout, lorsque nous prenons les pages érotiques, les pages que j'appellerais, excusez-moi, pornographiques, je suis un peu gêné qu'on puisse mettre une telle littérature à la portée des jeunes. Et pour continuer, puisque tout à l'heure j'ai dit que je voulais continuer, je suis professeur de français. Aujourd'hui, nous sommes en train de lutter contre la manière de communiquer de nos élèves. Et Madame Béa sait quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut réellement proposer une telle écriture à la jeunesse aujourd'hui, alors que lui et moi, nous sommes en train de nous battre sur le terrain pour que les SMS et les textos ne se retrouvent plus sur les copies. Je vous remercie. Vous finissez le livre. Alors, bon,
Pascal, je te remercie aussi. Je sais que tu attendais les remerciements personnels. Voilà, je te remercie. Bon. Le problème de la jouissance. Il y en a qui m'ont eu dans la Non, non, mais je suis très heureux qu'il y ait une femme qui a osé poser une question de cette envergure. Et j'estime qu'elle a le droit de poser cette question, en ce sens que j'ai mis un extrait justement que le professeur a lu, et ça me fait beaucoup plaisir que le professeur n'ait pas raté cette séquence-là. Et j'ai mis une partie de cet extrait sur ma page Facebook. Et je vous jure, plus d'une femme m'a écrit une bosse pour dire en disant qu'elles ont joui. Et elles sont mouillées. Sérieux qu'elles ont mouillé. J'ai rien compris. Et c'est là que j'ai fait une petite enquête. Petite... Bon, dis-moi cette partie. Tu crois qu'on peut faire ci, on peut faire ça avec. Dis, ah, tu savais pas. Et donc, j'ai fini par comprendre que sans me rendre compte, c'était, comme le professeur l'a dit, une plume caméra que je promenais de temps à autre dans l'ouvrage. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Hein. Oui. Quelle est la place de cette fille parmi nos élèves? Non, c'est une question que Habib m'avait déjà posée aux caméras. Vous savez, Habib a été enseignant à l'Okosa. Et en lisant le test, il se retrouvait dans le prof. Et il était étonné que je puisse inventer un personnage qui puisse lui ressembler très pour très. Il m'a même salué en posant la question aux caméras. Je suis étonné que devant vous tous, il pose la question et il retourne maintenant le professeur contre moi. Bon, alors, autre question? Oui, quelle est cette façon intellectuelle de toucher quand on fait l'amour? Je crois que avant cette séquence, Saniat avait décrit un acte d'amour avec Rémi, où Rémi était un peu goudja dans l'acte d'amour. Et je me sentis vraiment alors aimé avec les en tout cas au plan érotique. Voilà, donc je crois que c'est ce que la narratrice voulait traduire en disant la façon intellectuelle, c'est-à-dire pas une façon brute, quoi, une façon vraiment, vraiment alors érotologique. Ah oui, voilà, oui. Là, il voulait savoir c'est qui ce président. Le professeur a répondu, le professeur. C'est à mon professeur Pierre Midevoyon que je respecte beaucoup en tant que narratologue, à Tosso en tant que critique et aux autres. Et puis, c'est exprès que j'ai glissé, comme le professeur Midevoyon l'a noté, des critiques déjà, des critiques béninois. Vous allez voir mon ami Bouzangi que je respecte beaucoup, mais qui est d'une modestie extraordinaire. Et en m'envoyant son mot, il a bien précisé qu'il n'est pas qualifié pour analyser le test, et ça m'a même tellement touché. Lui-même ne sait même pas que son mot est dans le roman, parce que en lisant le roman, il n'y avait pas ce mot-là qu'il m'avait envoyé. Donc c'est après que le mot est revenu dans le roman. Donc lui-même ne sait même pas que ce qu'il m'a envoyé s'est retrouvé dans le roman. Moi, ça m'a beaucoup plu. Il a fait une très belle critique. Donc ça m'a plu, de même que Roger Coudoir, nous, quand elle a pris le livre, il n'était même pas attendu pour lire le livre, parce qu'il était beaucoup coincé, comme tous les enseignants en cette période d'ailleurs. Et je lui ai dit, ah tiens, il faut que mon livre sorte, est-ce que tu as le temps pour lire? Il dit, je ne sais pas, tu sais, je dois retourner à Bomé, à Breton, tout ça. Et bon, donc je vais vous jeter un coup d'œil. Et un coup d'œil, il dit, datez vraiment ton livre, c'est comme de la bouillie sucrée. Et j'ai dit, mais cette séquence-là, ça me fait bouillie sucrée. Tu dis, il faut que tu fasses une petite critique pour qu'il ait l'expression bouillie sucrée. Et il m'a donné ça, et ça se retrouve effectivement dans le roman. C'est comme cela dont j'ai voulu qu'il y ait déjà des critiques dans le roman, et c'est des critiques vraies, d'où la question du professeur de savoir où est la limite entre la réalité et la fiction. Et c'est même ça l'un des thèmes que moi j'ai voulu traiter dans ce roman, et seuls les spécialistes peuvent en arriver à cette question, à savoir une question esthétique d'ailleurs en matière de narratologie, quelle est vraiment alors dans l'acte d'invention d'un roman, quelle est alors la limite entre la fiction et la réalité? Et le professeur a posé une question à la fin également, et qui est vrai, et je suis heureux qu'il s'est posé cette question-là. Je voudrais qu'à la fin du roman, qu'on se dise, en fait, je viens de lire quoi?
Et le professeur s'est posé cette question. Et ça m'a fait trop plaisir qu'il ait posé cette question. C'est aussi un thème de mon roman. Je viens de l'Équateur. Très bien. Elle a son esprit air. Et surtout, comme elle est volage, elle change d'homme en homme et d'homme tout le temps, son cœur erre. N'est-ce pas? Elle est à la recherche de son équilibre. Équilibre intérieur de sa personnalité, équilibre de ses rapports avec les hommes, équilibre mental, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et c'est comme une chenille, une larve, n'est-ce pas? Une larve qui est dans son cœur et qui évolue et qui évolue. Et elle est, et finalement, son bourreau de sauvetage, comme. Gaho FM mino doto webi wenu radio enu pulonu mewe radio super radio